Ok. Voilà. Le frère, vous êtes d'où? Sénégal. Quel est votre nom? Eladji. Hein? Eladji Ndia. Hein? Vas-y. Cameroun. Moi, c'est Jim, Fiambou du Cameroun. Je suis de la Mauritanie, Sidi Mohamed. Leonard Moza, from Rwanda. Rwanda. Joseph Onyumbe du Congo, Kinshasa. Eliane du Cameroun. Merci. Voilà l'Afrique ici. Voilà l'Afrique. Yes, sir. Merci. Hello, everybody. My name is Ferry Fernandez. Je suis un jeune Camerounais qui a beaucoup souffert, mais par la grâce de Dieu, j'ai été reçu par le peuple de la communauté du Centre américain international pour la paix et les droits de l'homme aux États-Unis, qui, par la présence remarquable de la famille Sidi Lame Keta et le président du Centre international américain de droits de l'homme, M. Salam Emino, qui m'ont soutenu malgré mon groupe social, malgré tout ce que j'ai eu comme passé. Ils m'ont nourri, ils m'ont donné un hébergement. Je vis avec eux, malgré ma religion. Moi, je suis un chrétien. Voilà ma Bible, second 21. Et moi, je prie tous les jours sans problème. Monsieur Sidiki, le papa Sidi m'a donné une chambre chez lui. On vit ensemble. Il a une fille. Il a des petits-enfants. Voilà ma chambre qui me l'a donnée. J'ai mes trucs de la Bible partout. Ça, c'est Jésus. Malgré qu'ils sont musulmans, ils m'ont accepté. J'ai ma table qui m'a offert. J'ai tout. J'ai un lit bien fait. Moi, je ne peux que dire merci. Parce que malgré nos différences, ils m'ont accepté, ils m'ont tout donné et ils continuent à me donner. Je leur dis vraiment merci de tout mon cœur pour tout ce que le Centre américain des droits de l'homme ont fait et continuent à faire pour moi. Je leur dis merci. Je dis merci au peuple américain aussi qui continue à manœuvrer les efforts pour mon quotidien. Merci à la famille Sidi Lame Keta. Merci au président d'honneur Salam Emino. Merci à toute la communauté. Merci à tous les membres du Centre américain international pour la paix et les droits de l'homme. Merci que Dieu nous bénisse, que nous continuions à vivre ensemble malgré nos races sociales, malgré nos différences, malgré nos ethniques, malgré nos religions, que nous puissions nous aimer, que nous puissions regarder dans la même direction. Vraiment, je suis rempli de joie, je suis rempli de cœur qu'un musulman m'accueille et continue à m'accueillir, continue à tout me donner, malgré qui je suis. Il m'a tout donné. Je vis avec ses enfants, il n'y a pas d'inquiétude, il me laisse seul avec ses enfants à la maison. Il y a plus avec sa femme, sans inquiétude. Je me sens heureux. Merci au président Salam pour tout ce qu'il continue à faire pour nous, pour tout ce qu'il continue à faire pour les persécutés, les abandonnés, les gens qui sont marginalisés. Je vous dis merci. Portez-vous bien. Que Dieu continue à nous bénir. Que l'Amérique continue à nous ouvrir ses portes. Merci.